Cette année 2022 est passée à une vitesse folle, comme le TGV. Tu connais le TGV, train grande vitesse? C'est le train qui va très très vite en France. Ben, mon année 2022, c'était comme le TGV, mais c'était pas linéaire, tu vois. C'était plutôt les montagnes russes comme ça, avec des loopings. Quoi de mieux pour conclure l'année que de faire un petit bilan de mon année 2022 avec vous. Je trouvais ça très sympa de le partager avec vous parce que en plus de faire une bonne compréhension orale, eh bien ça permet de pratiquer le passé composé et l'imparfait parce que je vais raconter des événements au passé. Donc pour ça, je vais écrire sur le côté à chaque fois les verbes conjugués que j'utilise. Comme ça, tu peux les mémoriser plus facilement. J'ai pris mon petit papier et mon crayon et puis j'ai choisi un événement marquant pour chaque mois de l'année. Donc il y en aura 12 événements que je vais accompagner d'une photo, une ou plusieurs photos pour illustrer mon bilan de l'année 2022. C'est une petite vidéo papotage, mes vidéos préférées, ça m'avait manqué. Pense bien à activer les sous-titres de cette vidéo si tu en as besoin. On commence par le mois de janvier, logique. Pendant le mois de janvier, j'ai recréé un compte Instagram, français avec Nelly. Pourquoi recréer? Eh bien parce que mon ancien compte a été piraté. Ça aussi, c'était une histoire folle que je vous raconterai en détail un jour si ça vous intéresse. En résumé, on m'a piraté mon compte Instagram et ces personnes-là m'ont fait du chantage. Ils m'ont demandé de l'argent pour récupérer mon compte Instagram. Bref, l'affaire a terminé au commissariat, mais il n'y a pas eu de suite. C'est pas grave, j'ai décidé de tout recommencer de zéro, de recréer un compte Instagram, de reposter mes vidéos. Et aujourd'hui, on est 120 000 sur ce compte. C'est un peu ma façon d'affronter les difficultés. À la place d'être triste, d'avoir perdu mon compte, j'ai décidé de recréer. Pour moi, c'était une opportunité de tout recommencer à zéro. Et aujourd'hui, quelle fierté de savoir qu'on est 120 000 sur ce compte Instagram. Tout ça n'aurait pas été possible sans l'aide des professeurs de français qui sont sur Instagram et sur YouTube. Ils m'ont vraiment aidé à recommencer et je les remercie pour ça. Je vais en citer quelques-uns. Il y a Sergio, il y a Lily, Pauline, Ash, Agathe, également Alex. Voilà, je vous mets leur compte ici. Allez voir leur travail. En plus d'être des professeurs de français formidables, ils sont adorables. Merci à eux encore une fois. Février. Tu te souviens, je te parlais des montagnes russes. Eh bien, février, ça a été en bas de la montagne russe. C'était une période où j'ai perdu confiance en moi, où j'avais beaucoup de doutes, où je me demandais... Est-ce que j'aime ce que je fais? Pourquoi je le fais? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis épanouie dans mon travail? Le genre de période pas facile, mais je pense que tu vois de quoi je parle. C'était aussi la période où je commençais à créer des vidéos pour YouTube. Donc j'ai beaucoup travaillé en amont de la création de la chaîne pour produire des vidéos en avance. Mon projet de l'année 2022, c'était vraiment l'ouverture de cette chaîne YouTube et de m'y investir à 100%. Je suis ravie du résultat puisque en 6 mois, on est déjà 63 000. Donc 63 000 fois, merci à vous de regarder mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites partie de notre famille. Honnêtement, le lancement n'a pas été facile parce que je n'y connaissais rien. Je n'y connaissais rien en création de vidéos. Je ne connaissais rien à YouTube, je n'avais pas de matériel, donc j'ai dû me former, j'ai dû apprendre et avec l'expérience, ça devient de plus en plus facile. Mais au début, c'est pas facile de se filmer tout seul, chez soi et de poster sur YouTube où des milliers de gens peuvent potentiellement te voir, te juger. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas, alors merci à vous d'être là. En mars, j'ai couru le semi-marathon, alors que je n'avais jamais couru 4 mois avant ça. Jamais. Constater que j'étais capable d'atteindre un objectif ambitieux que je m'étais fixé, ça m'a vraiment redonné confiance en moi et en mes capacités. Je me suis dit, ok Nelly, tu es capable d'accomplir quelque chose quand tu veux et quand tu travailles pour ça. J'ai appris la patience,
la douleur, la joie extrême de réussir et de passer la ligne d'arrivée, la souffrance, la patience, la résilience. J'ai filmé toute cette expérience dans une vidéo YouTube, c'était la première vidéo de ma chaîne, je vous la mets ici, si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. En avril, j'ai fêté mes 25 ans et pour l'occasion, je suis partie au Maroc, à Marrakech, pour la première fois. Les voyages font vraiment partie de mes passions. Dès que j'ai l'opportunité de partir, je pars. J'adore ça, le fait d'être dépaysée, de changer de décor, de découvrir une nouvelle culture, ça m'apporte énormément. J'apprends beaucoup des autres et de moi-même aussi. J'ai passé une petite semaine là-bas, pendant laquelle j'ai bu du thé à la menthe, j'ai mangé des tagines, je suis allée dans le désert, j'ai négocié au souk. Je suis allée voir des petits villages berbères dans la montagne. C'était vraiment un super séjour. Je pense que ça se voit sur les photos. Mais il y a un proverbe français qui dit « En mai, fais ce qu'il te plaît ». Eh bien, comment te dire, je ne m'en suis pas privée. Le soleil était de retour à Paris, le printemps était de retour, ça met mon cœur en joie. J'ai profité à fond, je suis allée me balader dans Paris, je suis allée voir des expositions, j'ai bu des cafés en terrasse, j'ai vu mes amis, j'ai profité de la vie à Paris. Si tu as l'intention de venir visiter Paris, je te recommande vraiment le printemps. Pour moi, c'est la meilleure période pour visiter Paris. Bon, ce que je te raconte là, c'était surtout mes week-ends. Mais en semaine, c'était boulot, boulot, boulot. Je te raconte surtout le positif et ce qui est extérieur au travail. En juin, c'était une période très intense au niveau du travail. J'alternais entre les cours particuliers sur Zoom, parfois 4-5 heures par jour, et en même temps la création de vidéos pour Instagram et pour YouTube. Comme je vous l'ai dit, je fais tout moi-même, tout. C'est pas évident d'avoir 15 métiers différents, parfois dans la même journée, mais c'est la joie d'être créateur sur les réseaux sociaux. En juin, j'ai eu l'immense fierté de passer la barre des 100 000 abonnés sur Instagram. Comme je vous l'ai dit, je suis partie de zéro. Pour fêter ça, je suis allée à Disneyland Paris. J'avais besoin de me remplir de sensations fortes et de magie. J'ai fait toutes les attractions de Disneyland Paris. J'y étais déjà allée quand j'avais peut-être 10 ans, donc je n'avais pas beaucoup de souvenirs. Et de le revivre en tant qu'adulte, c'est toujours aussi magique. Au mois de juillet, j'ai décidé de quitter Paris pour l'été et de revenir chez mes parents à Toulouse afin de profiter de ma famille. En plus, j'ai le souvenir qu'il faisait vraiment très très chaud à Paris, donc j'étais mieux dans le sud. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti une fatigue extrême. J'avais vraiment besoin de vacances. J'avais vraiment besoin de déconnecter, mais j'avais encore beaucoup de travail, donc c'était pas possible. J'ai eu une panne de créativité, vraiment ma créativité était égale à zéro. Je n'avais pas d'idées, je n'arrivais pas à créer, je n'avais plus aucune inspiration, donc là j'ai commencé à paniquer. J'avais juste vraiment besoin d'une pause. En août, c'était le mois de la déconnexion. Quand tu es entrepreneur, tu penses toujours à ton travail. Vraiment, c'est toujours dans un petit coin de ta tête. Surtout quand tu es sur les réseaux sociaux. Oh, une notification. Oh, un email. Oh, un message, des commentaires. Mais j'avais vraiment besoin d'une pause, donc j'ai arrêté de donner des cours privés et je suis partie en vacances, tout simplement. J'ai profité. J'ai fait de la montgolfière, je suis allée à la plage, j'ai fait du bateau, j'ai fait des randonnées. Quand on se sent stressé dans la vie comme ça, la randonnée, c'est vraiment le meilleur moyen de prendre du recul, de décompresser. Je vous ai déjà parlé de mon expérience en randonnée dans une précédente vidéo. Je suis partie avec ma copine Mathilde. Mathilde, je sais que tu regardes cette vidéo. J'ai pris du recul sur mon travail, j'ai pris du recul sur ma vie et j'ai réussi à me fixer des nouveaux objectifs et à vraiment reprendre l'énergie dont j'avais besoin. Septembre. Au boulot, ma grande, c'est la rentrée, j'ai repris le rythme, j'ai retrouvé mes élèves adorés. C'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré beaucoup d'élèves en vrai, c'est-à-dire que j'ai rencontré des élèves que j'avais eu en cours
virtuelle, donc sur Zoom. Ils sont venus à Paris pour visiter et on en a profité pour se voir. On a bu des cafés ensemble, on a visité Paris, on a pris des photos. C'était une période vraiment très agréable qui m'a fait beaucoup de bien parce que le virtuel, c'est bien, mais pouvoir se rencontrer en vrai, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. En octobre, j'ai commencé un nouveau sport, l'escalade. C'est un sport qui m'a appris et qui m'apprend encore aujourd'hui beaucoup de choses. J'ai appris à me faire confiance. J'ai appris à avoir peur, peur de tomber, et à tomber quand même. J'ai appris à me relever et à recommencer. Et j'ai appris aussi à me sentir vulnérable. Je te promets que quand tu es à 4 mètres du sol, que tu n'es pas attaché et que tu te tiens juste avec un bout de doigt comme ça, ça commence à faire un peu peur. Tu tombes, tu te relèves, tu recommences. J'adore ce sport. C'est aussi le mois où mon frère est venu me rendre visite à Paris, donc on a fait beaucoup d'activités ensemble. On a joué aux touristes, on a fait un tour de bateau-mouche, on a mangé au restaurant. En novembre, j'ai pris la décision de partir à l'autre bout du monde pour plusieurs mois. Parce que Paris, c'est bien, mais l'hiver à Paris, c'est quand même très long, très froid et un peu déprimant. Donc j'ai acheté un billet d'avion direction l'Indonésie, plus spécifiquement à Bali. Je pars en janvier pour quelques mois. Je suis vraiment très impatiente de découvrir ce nouveau pays, de vivre dans un autre pays. Je vais continuer à travailler, bien évidemment, ce ne sont pas des vacances, mais changer d'environnement de travail, ça va être génial. J'ai donc passé beaucoup de temps à organiser mon départ, à préparer les choses. Tout s'est accéléré à partir de ce moment-là. Décembre, on y est, c'est tout de suite. Au mois de décembre, j'ai lancé mon nouveau projet « Débloque ton français », qui est un défi sur 30 jours qui permet de te débloquer, c'est-à-dire si tu te sens bloqué au niveau intermédiaire en français et que tu n'arrives pas à trouver les mots, eh bien, j'ai créé un défi qui te permet de dépasser ce blocage. Et j'ai été vraiment, vraiment ravie de voir l'engouement et l'enthousiasme. Il y a eu plus de 60 participants, 60 personnes qui ont posté tous les jours une vidéo sur Instagram pour pratiquer le français. J'ai assisté à des transformations radicales. Des personnes qui n'arrivaient pas à parler au début, qui étaient vraiment bloquées, qui n'avaient pas de vocabulaire et qui, à la fin, osaient faire des lives pendant 30 minutes, qui osaient faire des vidéos de 5 minutes en improvisation en français. C'était extraordinaire de constater ces progrès. Je suis très fière d'avoir créé cette petite communauté dans laquelle les gens se sentent vraiment à l'aise pour parler français. J'ai eu beaucoup de demandes pour ce projet, donc j'ai décidé de recommencer le défi au mois d'avril. Les préinscriptions sont ouvertes, je te mets un lien dans la description. Tu dois juste mettre ton email et ton prénom. Je t'enverrai un email pour te prévenir de l'ouverture du défi. Voilà, c'était le bilan de mon année 2022. On ouvre un nouveau chapitre. C'est le début d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle année. Et j'ai tellement hâte de voir ce que l'année 2023 me réserve. Pour moi, ça va commencer sous les palmiers, donc je suis ravie. J'ai envie que tu me partages ton plus bel accomplissement de 2022. Qu'est-ce que tu as réussi? Quelle est la chose qui te rend fière? Partagez-moi tout ça, j'ai hâte de savoir. Conclusion, croyez en vous, croyez en vos rêves, travaillez dur, rêvez grand, rien n'est impossible, tout est possible, chacun écrit son histoire. Je vous dis à l'année prochaine, dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, à bientôt.